Ceci n'arrive pas tous les jours. La police nationale congolaise, félicitée par Martin Fayoulou pour le travail abattu dans l'encadrement de la foule lors de l'arrivée d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Pour ses membres du rassemblement, celle-ci s'est comportée de manière républicaine, évitant toute provocation. Martin Fayoulou est invité d'Élysée Odia dans l'émission « Un homme, un concept » qui vous sera diffusé tout à l'heure à 22h. En voici un extrait. Il faut féliciter la police nationale. Ils ont fait un travail excellent hier. Malgré des arrestations, il y a toujours des policiers véreux qui arrêtent de gauche à droite. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que les policiers, pour la plupart, n'étaient pas armés. Et ça, c'est bon. Et ils ont fait le travail pour le maintien de l'ordre. Et ça, c'est leur travail. Et la population ne les a pas provoqués. Donc, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu... Aucun pillage. Vous savez, dans une foule comme ça, dans une masse comme ça, vous ne pouvez pas vous dire que vous avez à 100% et les choses doivent marcher comme vous le souhaitez. Il n'y a pas à avoir un ou deux voleurs, deux pilleurs qui commettent de l'arsen quelque part. Mais l'essentiel est que la police hier était une police républicaine et une fois de plus, je félicite cette police qui a travaillé. Et elle était devant une population assez disciplinée, donc ce qui fait que de part et d'autre, chacun a joué sa partition et que c'est une preuve qu'on peut faire des manifestations sans qu'il y ait débordement, sans qu'il y ait... C'était la même population et vous voyez que la population, et comme je dis tout à l'heure, si on ne la provoque pas, elle ne va pas réagir. C'est la même population qui était hier, une foule en liesse, qui était partie accueillir son président. Et il n'y a pas eu de problème. Donc, si la police continue comme ça, s'il n'y a pas de provocation, je crois que les manifestations à venir se passeront correctement.